Bonjour Jean-Louis de 45. Bonjour Jean-René La Taupe, hashtag Zoom Zoom. Vous allez bien? Vous allez en soirée ce soir. Ah, on va où? Ah oui, vous êtes au courant? Ah oui, vu les cheveux, vu les lunettes, vous partez après l'enregistrement, je pense. J'en dirai pas plus, pas forcément. Petit coup de gueule que nous avons de la rédaction. Ah bon? On n'est pas content? On n'est pas content, puisque la télé, on se fout un peu de la gueule des restaurants du cœur. Vous connaissez tous ce que fait les restaurants du cœur? Les restos du cul? Les restaurants du cœur. Ah bah je connais les restos du cul. Qui donnent à manger aux... Le problème c'est des restos du cul, c'est que forcément les fesses sont dans l'assiette. On peut c'est vous rapprocher pas forcément pratique. Rapprocher du milieu s'il vous plaît, parce qu'on va pas vous voir. Ouais mais toi non plus, vous non plus, on va pas vous voir beaucoup non plus. Voilà, alors un peu plus. Voilà. En gros, je vais vous expliquer en fait, des émissions de télévision ont promis des dons au restaurant du cœur. Mais dites-moi pas que c'est pas possible. Et en gros, bah, ils ont... Sur les chèques qu'ils ont fait, c'était des chèques entre guillemets en bois. De quoi? Puisque sur les comptes, il n'y avait pas d'argent sur les comptes bancaires. Alors attendez, excusez-moi de vous couper. Serait-ce du bois de chêne? C'est du bois de chêne, oui. Ah, parce qu'en ce moment, le bois de chêne, on a vu avec Notre-Dame, hein, hashtag condoléances. Alors, voilà. Que le bois de chêne, attention, hein, ça peut partir vite et ça peut faire de la fumée jaune. Ça peut faire très vite de la fumée. Enfin bon. C'est ce que disent, hein, mais bon. Pas d'amalgame, hein, les amis, hein, et feu de termite. En gros, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé dans l'émission Quotidien sur TMC, c'était le vendredi qui était avant. Ah, je n'étais pas là. Avant. J'étais en stage canapèche. Avant. Je ne fais pas partie de cette affaire. Non, je sais bien. Avant les Enfoirés qui étaient diffusés quand même. Quotidien. Non, les méchants. Le spectacle. Ah, les Enfoirés tout de suite. Non. Le spectacle des Enfoirés qui était diffusé au mois de mars. Pas de vulgarité. Pas de vulgarité. Non, sur une chaîne enfantine. Il s'appelle comme ça malheureusement. Et voilà. Donc en gros Quotidien recevait le président des restaurants du cœur. Du cul si vous préférez. Du cul c'est mieux. Et donc en gros il avait dit on va vous faire un chèque de 20 000 euros. Pour Quotidien, c'est un score qui est assez énorme. Hein. C'est énorme, c'est extraordinaire. Et donc en gros, eux ils n'ont pas donné, hein, comme les émissions, Morandini Live sur CNews. Morandini, Jean-Marc. Jean-Marc Morandini Live. Jean-Marc de chez Morandini. Voilà, C'est que de la télé et Touche pas à mon poste qui ont donné également des sommes pour Morandini Touche Live. Touche à mon cul, ça fait de la musique. Pour Morandini Live, c'est 15 000 euros. 45 000 euros pour TPMP et C'est que de la télé, 5 000 euros. Choqué. Tout cet argent n'a pas été donné. Je suis choqué. On est choqué alors. Traumatisé. Alors. Je pense que je vais pas réussir à dormir ce soir. Ah oui. Alors en gros, ce qu'on va en gros vous expliquer, c'est que les Restos du Cœur ont donc porté plainte contre ces émissions de télévision. De quoi? Oui, parce que en fait, c'est des promesses de dons qui n'ont pas été données. Je suis choqué, traumatisé. Autant vous dire que pour m'endormir, ça va être dur. Ah, ça va être compliqué. Et en gros. Également, le CSA va s'occuper de cette affaire un peu plus. De quoi? En gros, ces émissions de télévision pourront évidemment donner, vont être obligés de donner argent au restaurant du cœur. Ah, faut donner là. Puis ils pourront être punis par le CSA. Oui, j'espère bien. Soit de suppression de pub, comme avait eu TPMP il y a. Stop à la pub. Voilà. Pendant 3 semaines, ils n'avaient pas eu de pub TPMP. Soit carrément la déprogrammation pendant plusieurs semaines. De leur émission. De quoi? Car c'est interdit par la loi. Alors là, je suis choqué, traumatisé. Avant que j'aille dormir, je vais prendre un cachet. Faut mieux. Un bon dans les poches. Ah, vaut mieux. Et en... Pas de marque, pas de pub, s'il vous plaît. Et en gros, alors, pour vous expliquer, il y avait eu un seul cas, c'était en 2009. De quoi? C'était On n'est pas couché, présenté par Laurent Ruquier. Alors là. Qui avait fait pareil une promesse de don aux 6 actions. Laurent Ruquier. De chez Ruquier. Voilà. Qui avait dans son émission dit on va donner 20 000 euros. Et il ne l'avait pas fait, il avait été. L'émission avait été déprogrammée pendant un mois entier. Un mois. Donc c'est-à-dire 4 émissions non diffusées pour peine de punition. Ah ben mais j'étais pas là moi. Vous étiez pas là ben non, ah, 2009. Je n'étais pas présent sur les lieux. 2009, on n'existait même pas nous alors. J'étais chez ma grand-mère en train de faire un cake au pruneau.
J'ai les traces parce que, enfin, au fond de la cuvette, parce que je peux vous dire que le soir c'était. On va pas en dire plus. Ah, c'était compliqué. Et sinon, en gros, Nikos Aliagas dans sa matinale d'Europe 1 a réagi évidemment. Ah, je le connais bien, je l'ai sur Instagram. Le grec. Le. Ah, il est grec. Il est grec, oui. Oh, bah, il m'avait dit qu'il était polonais. Ah, ouais. Ah, bah, vraiment aussi. Et donc, en gros, il a réagi en disant que, au lieu de faire ceci, de pas donner. Au final, l'argent. De quoi ? Eh ben, ces animateurs-là auraient carrément dû faire un spectacle et faire appel aux dons. Les gens, ça aurait été mieux que de ne pas donner. 36-37 ? 36-37 pour le Téléthon. On peut le rappeler, 36-37 pour nos amis du Téléthon, les amis. Il peut y avoir un handicapé parmi vous, à côté de vous. Voilà. Ou pas loin de chez vous. Donc, 36-37, ça peut toujours servir. Et donc, on va. Voilà, chez vous. Si vous faites des promesses de dons, il y a environ 25% de personnes qui ne donnent pas au final l'argent qu'ils avaient promis. Attention aux promesses. Voilà. Donc s'il vous plaît, si vous faites une promesse aux associations, faites-le, tenez-la. Parce que. Voilà, faites pas comme notre président, voilà. Hein, faites pas des promesses. Des associations ont besoin, les Restos du Cœur également. Et on. Des associations de malfaiteurs également. Alors eux, non, ils n'ont pas besoin d'argent, les malfaiteurs. Ah. Attention. Mais voilà, en tout cas, les restaurants du cœur qui font un boulot magnifique. Du cul aussi. Voilà, on va mettre, je pense, l'adresse en bas de l'écran. Oh, les gens la connaissent, hein. Bah, en gros, c'est. Restopagère.fr. Les restaurants du cœur à Paris, CEDEX 15. Donc voilà, si vous voulez faire un don à cette association et à tous les autres. Non, mais n'hésitez pas. T'as même pas besoin de l'adresse. Tu vois, tu mets ton chèque dans l'enveloppe, tu marques les restos du. Un joli cœur. Bah, il arrivera, c'est comme quand tu marques le Père Noël. Il arrivera. Quand les enfants connaissent l'adresse par cœur. Mais hein. Voilà, en gros, c'était pour dire que ce que la télé fait, ce n'est pas bien, ne croyez pas à la télévision. Ce n'est que de la télé. Et voilà. Tout ce qui est à la télé est manipulé. Hein. Il n'y a pas d'improvisation à la télévision. Voilà, et donc, faites attention, vous pouvez très bien vous divertir en regardant la télé, mais surtout. Sortez, lisez un livre, allez au cinéma, allez au théâtre. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Qui j'en ai pour donner des leçons aux gens. Non. Si les gens ils ont envie de regarder la télé toute la journée ou toute la nuit, oui. Ou de regarder des manettes TV en boucle. Ah, oh, s'ils veulent regarder la télé. Voilà. Hein. Mais voilà, c'est vrai que Jean-Luc de Kersbach, on peut leur conseiller de ne pas regarder la télé. Faites ce que vous voulez, amusez, profitez de la vie, les amis. Mais toujours dans le respect des autres, hein, de l'autre et d'autrui. Voilà. Hein. Merci beaucoup Jean-Luc de 45. Je vais vous laisser partir, je vois que vous êtes très pressé. Je suis pressé là parce que je suis garé en double fil avec ma mobilette. Allez à votre soirée, on se retrouve très vite. Soirée, ciao.